La 21e édition du Festival de Jazz de la ville de Saint-Martin-de-Ré se déroulera du 17 au 19 août sur le parking de la Courtine. Un festival de jazz gratuit destiné à un large public et sur scène se succèdent aussi bien des artistes de renommée internationale que des artistes amateurs régionaux. Cette année, pas de Golden Gate Quartet car on n'a pas tous les ans 20 ans, mais une belle sélection de musiciens aux talents certains. Daniel Lagarde, le chef d'orchestre de ce festival, nous détaille cette programmation 2018. Donc le vendredi 17 août à 21h on aura Ella Foy, à 22h15 on aura la première tête d'affiche de ce programme, c'est Les Doigts de l'Homme. Voilà, ça c'est de la musique du monde, manouche et musique tigane, accordéon, violon et trois guitares. Le samedi 18 août, donc dès 18h, le Black Cat Bone, ça c'est un groupe de trois musiciens de blues, Nicolas Sabato et Jacques Di Costanzo, le quartet à 21h, ça c'est du swing, jazz classique swing. Et à 22h15, on a le trio Greg Slapp, Juvillaire, Siegal. Ça, c'est du blues, du vrai blues, quoi, voilà. Et le dimanche, on aura Flora Estelle Swinguette. C'est une chanteuse professionnelle qui est dans la région bordelaise. Ça va swinguer. Et on finit, comme depuis 20 ans, par du jazz Nouvelle-Orléans. Ça s'appelle Clarinette Marmelade avec Charles Prévost. Rappelons que tous ces concerts sont totalement gratuits, qu'ils débutent à 21h et qu'ils sont offerts gracieusement par la municipalité de Saint-Martin-de-Ré, mais aussi par beaucoup de sponsors martinais. Rendez-vous donc le 17 août 2018 sur le port de Saint-Martin-de-Ré pour découvrir la 21e édition de ce festival de jazz en Ré qui ne manquera pas une nouvelle fois de vous faire swinguer en plein été.